Sur les ondes de LCN. La grande messe du cinéma a lieu ce soir à Los Angeles. Hollywood remettra ses prestigieux Oscars sur la scène du Théâtre Dolby. À l'animation encore cette année, Jimmy Kimmel. Et des Québécois sont régulièrement en lice à cette cérémonie. D'ailleurs, saviez-vous que ça fait exactement 20 ans que Denis Arcand a gagné l'Oscar du meilleur film étranger avec Les Invasions barbares. Et après lui, il y en a eu bien d'autres. Et un des habitués, le producteur, Roger Frappier. Il est régulièrement aux Oscars, et c'est encore le cas aujourd'hui. On ira lui parler en direct de Los Angeles. Qu'est-ce que nous devons surveiller ce soir? Le journaliste et critique au Journal de Montréal, Maxime Demers, va nous dire tout ça. Également, une manifestation pro-Palestine a été organisée une heure avant le début de la cérémonie. La police de Los Angeles a augmenté ses effectifs pour éviter que les Oscars ne soient interrompus. Et en direct de LA, vous voyez le tapis rouge en ce moment. Alors oui, les réalisateurs québécois sont fréquemment reconnus, applaudis à la cérémonie des Oscars. Bien sûr, Denis Arcand, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, les courts-métrages québécois aussi se retrouvent régulièrement en lice. Et c'est encore d'ailleurs le cas cette année, on en parlera. Aussi, le producteur Roger Frappier, un habitué, une de nos fiertés, et il est avec nous. Bonjour, M. Frappier. Bonjour, Mme Lauzon. Bonjour. Alors, comme je disais, vous êtes régulièrement aux Oscars. Vous arrivez quelques jours avant pour participer à des événements. Expliquez-nous à quoi ça ressemble, une semaine aux Oscars à LA. Bien, ça ressemble à une grande semaine de cinéma parce que dans toutes les associations, que ce soit celle des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, il y a des rencontres avec les nommés. Alors, c'est un grand moment pour les écouter nous parler de leur vision de cinéma et de leur façon de travailler. Il y a eu la même chose avec les nommés pour les courts-métrages avec Vincent-René Lortie, qui a fait un merveilleux film, Invincible, oui, qui est en pour l'Oscar ce soir. Alors, donc, il a une chance sur cinq, ce qui est beaucoup mieux qu'à la loto. Effectivement, et c'est incroyable pour lui. Hein? Je crois qu'il a 30 ans de vivre une expérience comme ça. Et d'autant plus que l'Académie reçoit des centaines, pour ne pas dire de milliers de courts-métrages. Ah, oui. Et une première sélection de fait de 15 courts-métrages. Et il a fait partie de la première sélection des 15. Et il s'est retrouvé dans la sélection des cinq, de ceux qui sont véritablement nommés. Et ça, il faut le dire, oui, tous les membres de l'Académie qui votent pour les courts-métrages doivent avoir vu les 15, sinon ils ne peuvent pas voter. Donc, il mérite véritablement, avec son merveilleux film, d'être là. Et on lui souhaite la meilleure chance ce soir, bien qu'il soit en compétition avec de très grosses pointures. Et il y a deux ans, M. Frappier, avec votre film « Le pouvoir du chien », vous aviez eu 12 nominations. C'était le film qui partait grand favori. Jane Campion a remporté meilleure réalisatrice. Comment vous vous sentiez cette soirée-là? Écoutez, c'était inimaginable que deux Québécois, Denis Villeneuve avec Dune, qui avait 10 nominations, et moi, que nous ayons deux jeunes, bon, jeunes entre guillemets, de Montréal, qui avaient 22 nominations aux Oscars. C'est incroyable. Mais cela dénote, cela dénote tout simplement la qualité du cinéma au Québec. Vous savez, il y a eu Sylvain Belmont, par exemple, qui est un grand monteur sonore, a eu un Oscar. Oui. Patrice Vermette pour, pour la direction artistique. Alors, il y a du talent énormément au Québec. Et je dirais, il y a beaucoup plus de talent que notre capacité de produire. Ah, alors, oui, c'est la fin où les gouvernements vont comprendre que d'investir dans le cinéma, ça permet un rayonnement international. Mais les artisans québécois, ils sont... Et pourquoi nous sommes si talentueux? Je dirais parce que le Québec est géographiquement et culturellement situé au confluent de l'Amérique et de l'Europe. Moi, je dis souvent, le cinéma québécois, c'est un scénario européen dans une mise en scène américaine. Alors, on a la chance d'avoir en nous les deux grandes cultures. Et je pense que ça a fait qu'on était capable de développer
une façon de faire qui nous est propre et qui est maintenant reconnue dans le monde. Le cinéma québécois est reconnu dans le monde maintenant autant que le cinéma italien, le cinéma espagnol, le cinéma allemand. Et on voit notre participation à tous les grands festivals internationaux et à nos nominations aux Oscars, aux Golden Globes et toutes les grandes manifestations internationales. Et qu'est-ce que vous allez surveiller ce soir? Écoutez, je vais surveiller évidemment la section des courts-métrages. Oui. J'aime vraiment beaucoup Qu'Invincible Gagne. C'est un film qui m'a énormément touché, d'autant plus qu'il est basé sur une histoire vraie. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens de l'Académie aiment. On va regarder si ça va être le sacre de Oppenheimer, mais il peut toujours avoir des surprises. Parce que dans la catégorie de meilleurs films, il y a 10 films en nomination et il faut avoir 50 plus 1 des votes. Alors, c'est pour ça que des fois, il y a une surprise qui peut arriver. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Est-ce que vous allez être dans la salle? Non, je vais être ici avec des amis. Alors, comme on fait lorsqu'on n'est pas en nomination. Mais c'était une semaine fabuleuse avec la rencontre, avec toutes ces discussions qu'il y a eu sur le cinéma. Et puis ce soir, mais ça va être une soirée entre amis avec pizza et champagne. C'est génial, c'est la fête du cinéma. Roger Frappier, merci beaucoup d'avoir pris le temps et je vous souhaite une belle cérémonie. Merci à vous. À bientôt.